aujourd'hui, je vous propose une bouillabaisse de maquereau. Je vais dire plutôt, c'est une recette à la normande. Parce que si on rentre sur la bouillabaisse marseillaise, là c'est sûr que les poissons sont beaucoup plus nobles et je ne peux pas me permettre de faire ça à l'arrosoir. Donc, on va commencer par tailler les légumes. Donc, on commence par prendre les carottes. Tailler dans la longueur. Après, nous faisons une assez grosse brunoise. Taillée en lanière, assez grosse. Un peu de fenouil, coupé en deux. Ensuite, en trois ou quatre, hein, selon la grosseur. Alors, ensuite, un poireau. Alors, c'est pareil, coupé dans la longueur, comme ceci. Ensuite, on donne un quart de tour et émincé. Voilà. On prend un faitou, on fait chauffer assez fortement au départ. On verse de l'huile d'olive pour faire suer tous les légumes que nous avons taillés auparavant. Et ils vont cuire 20 minutes. Et donc après, on va faire ça. Nous allons faire suer tous ces légumes. Ensuite, on mouillera avec un peu d'eau et vin blanc. Auparavant, j'ai fait un petit bouillon, là c'est-à-dire à peu près environ 2 litres et demi d'eau, avec 3-4 cuillerées de concentré de tomates. Ensuite, j'ai mis un petit peu de thym, laurier, quelques oignons émincés et j'ai fait cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, tout ça est passé au chinois étamine et je réserve ça pour mouiller mes légumes. Donc voilà, je vais mouiller avec le vin blanc mes légumes qui viennent d'être sués. Voilà. Donc, je laisse donner un petit bouillon, un petit peu de frémissement. Et ensuite, je vais ajouter mon bouillon. Voilà, qui est ici, que je vais verser là-dessus.